Effectivement, mon client, hier soir, tard dans la nuit, devant le juge d'instruction, dans le cadre de son interrogatoire de première comparution, est passé aux aveux. C'est effectivement pour lui un soulagement de, évidemment, faire preuve, comme il le dirait, de repentance. Je pense que pour le croyant qu'il est, c'est important qu'il ait pu faire preuve de cette force. Et ce, malgré des éléments de procédure qui pouvaient poser question, notamment au début de la garde à vue. Donc c'est quelque chose qui est notable de son côté. Il va faire maintenant un cheminement. C'est maintenant le temps long de l'instruction judiciaire. C'est désormais un magistrat indépendant, le juge d'instruction, qui va continuer à enquêter pendant encore un temps assez long, évidemment. D'autres actes d'enquête vont avoir lieu qui vont permettre de clarifier la situation, apporter plus de détails encore, et qui pourront effectivement permettre aussi par la suite que la justice puisse faire son œuvre et que par la suite on puisse avoir un détail sur ce qu'il s'est passé. Il est coopérant, c'est important évidemment dans cette situation de faire preuve de sa sincérité avec cette coopération. Il est désormais temps aussi, je pense, de passer à un temps d'apaisement. C'est ce qu'il souhaite de son côté. C'est, à mon avis, ce que de nombreuses personnes souhaitent. Et il est important, effectivement, que l'enquête puisse faire en sorte que les droits de chacun soient respectés, également les droits de mon client, et permettre d'aboutir à un détail dans ce respect-là, toujours. Je me permets, effectivement, en même temps de vous évoquez un élément, parce que quand on est dans le cadre de dossiers de ce type-là, sur un plan médiatique, il est important, je pense, en tant qu'avocat, d'évoquer que les moyens de la justice doivent être, à mon avis, accentués. Donc je pousse sur ce plan-là aussi. Des difficultés parfois peuvent être créées en termes de moyens pour les enquêteurs eux-mêmes. Effectivement, c'est important. Il faut noter aussi que les greffiers et les magistrats prennent un temps certain et ont une bonne volonté, mais il leur manque des moyens, j'évoque cela pour essayer peut-être d'appuyer encore un peu plus mon confrère devenu ministre pour que cela soit entendu enfin. Et donc je vous relais cela également. Comme je vous l'indiquais, je ne pourrai pas répondre à plus de questions parce que je ne veux pas, vous l'avez compris, rentrer à l'intérieur du dossier, donner des détails. Ça, c'est du ressort de l'enquête. On a des obligations déontologiques. J'avais besoin d'exprimer cela pour pouvoir aider à la défense de mon client et donner évidemment un minimum d'explications quand on est dans de telles circonstances, un tel tapage médiatique, mais je n'irai pas plus loin. Merci de votre compréhension. Vous dites qu'il est coopérant, ça veut dire qu'il se rend compte de ce qui se passait. Comme je vous l'ai indiqué, l'instruction est en cours, l'enquête était déjà secrète, l'instruction est encore plus, donc je ne peux pas répondre à plus de questions. Ou sur son état d'esprit Son état d'esprit, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, je dis qu'il y a une sorte de soulagement. C'est quelqu'un qui est effectivement apeuré, qui est quelqu'un qui est en quelque sorte dépassé. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous pouvez imaginer évidemment comment il peut se ressentir en état. Est-ce que vous avez demandé une expertise psychologique de votre client ? Ce n'est pas de mon ressort. En l'état actuel, j'ai le droit de faire maintenant des demandes d'actes. Si ça m'apparaît nécessaire, je ferai des demandes d'actes uniquement dans l'intérêt de mon client, mais effectivement, dans des dossiers, il y a certains actes qui sont quasiment classiques. C'est du ressort du juge d'instruction. Est-ce qu'il a évoqué un mobile ? Alors, ça, c'est du détail. C'est là encore dans le cadre de l'instruction, d'accord ? C'est un élément important et je comprends que tout le monde puisse vouloir avoir cette information-là, mais il n'est pas de mon ressort à moi en tant qu'avocat de donner cette information. Le procureur de la République peut faire des conférences de presse et donner des éléments de détail sur la procédure. Ce n'est pas de mon ressort. Est-ce qu'il y a une situation administrative ? Il y avait une obligation pour ce territoire qui était à échéance en mars. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est lié à son geste ? Alors, sur la situation administrative, c'est à peu près du même acabit. C'est-à-dire qu'on glose à l'heure actuelle sur des éléments que visiblement personne ne maîtrise réellement. Je crois qu'il faut se contenter de ce qu'a évoqué M. le procureur de la République. Je pense que c'est important de les noter. Il y a une certaine complexité dans cette situation, donc j'attire votre attention à tous d'être extrêmement vigilants là-dessus, parce que, évidemment, ça amène des commentaires sur les réseaux sociaux et autres, des comportements qui ne sont pas adaptés du tout à la situation réelle. Est-ce que c'est lié à son geste, sa situation administrative ?
Votre question, pour tout vous dire, je ne la comprends pas forcément. Et pour le coup, là encore, je ne veux pas aller au-delà de ce que je peux vous dire. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à aller mettre le feu à une église comme ça ? C'est une très bonne question. Une très bonne question. Peut-être que j'ai la réponse. Peut-être que j'ai une partie de réponse. Mais là encore, c'est quelque chose que je garde. C'est au juge d'instruction, avec ses moyens, moyens importants, avec son indépendance aussi. Là encore, c'est un élément important aussi dans le cadre de notre état de droit, d'avoir des magistrats indépendants et de les conserver. On sait qu'il y a eu un temps des velléités pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de juge d'instruction. Je profite de votre question pour indiquer que c'est important qu'on ait des magistrats qui puissent instruire à charge et à décharge. Pourquoi il est passé aux aveux hier soir et pas avant ? Est-ce que ça, il vous a évoqué cette question-là ? Les échanges que j'ai avec mon client, évidemment, sont importants. On a discuté beaucoup ensemble. Après, sur le contenu de ces échanges, vous le comprenez, je ne peux pas vous donner des éléments à l'heure actuelle. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce que dit le procureur, à savoir la présence d'un liquide inflammable sur place ? Là encore, c'est des éléments de détail. Je sais que c'est frustrant, hein, mes réponses, mais je vous avais prévenu. Effectivement, dans ce cadre-là, c'est aussi du ressort de l'enquête et donc du secret de l'instruction. C'est au juge d'instruction d'aller fouiller encore. Il y a déjà un gros travail qui a été fait, évidemment, vous pensez bien, mais il y a encore énormément de choses à faire. Est-ce qu'il est hospitalisé sous le régime de la détention ? C'est une question qui pourrait être intéressante, à laquelle je ne vais pas répondre non plus. Bon, désolé de cette frustration sur mes réponses, mais je pense que vous comprenez tous quelles sont nos obligations et nos contraintes à tous, telles que les vôtres, telles que les miennes, telles que celles des enquêteurs. Quel est le mot important du coup que vous souhaitez faire passer, vous, en venant ici devant nous ce matin ? Je pense qu'effectivement, l'état actuel, vous avez vu du dossier, de ce qu'a pu indiquer mon client hier au juge d'instruction, c'est important que ce soit noté par tous et qu'il y ait un apaisement désormais qui puisse se faire pour que la justice puisse être rendue sereinement, tel qu'on peut tous, s'en gargariser presque. Ce serait super que cette justice-là puisse être rendue effectivement sereinement, maintenant qu'il y a des éléments importants qui ont été transmis. Pourquoi vous estimez que les moyens d'enquête n'étaient pas suffisants ? C'était votre toute première intervention ? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails en l'état, d'accord ? Il y a des éléments qui sont sortis dans la presse, mais là encore, je ne veux pas donner d'éléments là-dessus. C'est du cadre de l'instruction. Peut-être que j'en ferai quelque chose par la suite, mais voilà, c'est un élément, à mon avis, qui était important à évoquer aussi dans le cadre de la défense de mon client. Et dans le cadre de ses aveux, c'est un contexte quand même particulier. C'est quelqu'un qui fait des aveux malgré les éléments dont on a pu discuter ensemble. En tant que chrétien, il attend quoi la communauté du pardon ? Vous avez parlé de ça ? On en a parlé parce que c'est quelque chose qui, évidemment, lui importe. Je ne rentrerai pas dans le détail de ça. Je pense qu'on peut tous imaginer ce que cela peut être. Désolé que ce soit que de l'imagination, mais je ne peux pas vous donner plus de détails là encore. Mais il en a parlé en tant qu'homme de foi. Ce qui est des échanges entre mon client et moi resteront entre mon client et moi. Est-ce qu'il aurait pu avoir des tendances suicidaires, vouloir mettre fin à ses jours et puis renoncer après avoir déjà mis le feu ? On ne va pas rentrer dans du pathos ou ce genre d'éléments-là. Je crois que l'essentiel, c'est les éléments que je vous ai évoqués. Est-ce qu'il a agi seul ? Est-ce que vous savez s'il y a des complices ? Ça encore, c'est du ressort de l'enquête. Je ne peux pas répondre à cette question. Vous allez être très frustré si vous continuez à me poser des questions. Excusez-moi de revenir là-dessus, mais concernant l'obligation de quitter le territoire, vous pouvez vous confirmer ou pas ? Je ne veux pas rentrer dans le débat des questions administratives. Ça alimente notamment la fachosphère. C'est pas. C'est pour ça que c'est important de clarifier les choses. Oui, d'accord, j'entends bien sur le principe, mais je ne suis pas responsable des agissements de quelques-uns et j'ai mes propres obligations. On doit tous essayer maintenant de trouver de l'apaisement. Aussi pour ces personnes-là, je pense qu'elles peuvent tout à fait comprendre. Ils font partie de la société comme nous et je suis sûr qu'ils vont comprendre les éléments qu'il y a et qu'ils vont se satisfaire aussi de l'avancée de l'enquête en l'état actuel. Merci à vous. Merci. Désolé. Merci. C'est que avec les éléments que vous évoquez. Absolument.